Hey everyone, welcome back. So today we have another language video. Yay! So yes, as you can tell from the title, I'm doing another Make a Straw speaking in French. The reason why I'm doing it is because I just really enjoy it, and I feel like it's really nice for you guys who are not probably not French. I think it's nice for you guys to hear and, you know, hear and listen to different things, and it's a different language, and I think it's kind of cool. I want to like put a lot of like culture. I really do want to travel a lot in the future, so I do want to like introduce a lot of like different culture, different languages and things like that on my channel. Obviously I speak only French and Creole and English, but I want to still incorporate those into my channel, just, you know, for something a bit different. You know, it's not always the same thing, but please do let me know if you are not French. Let me know in the comments if you mind these videos, if you like them, if you like. I'm not going to do too many of them, but every now and then I will, and in my Creole ones as well. But I've gotten so many of my followers that come from France and from Mauritius, and they still want to see like language videos, so I'm trying to cater to everyone, to all my demographics. Yeah, please do let me know, and again, be honest. You can be totally honest with me in the comments. So yeah, I just wanted to put that disclaimer out there. I really hope you guys will enjoy it. I will put subtitles, and I'm gonna quickly do a French intro and we'll jump straight into it. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel maquillage sur ce look-là. Je voulais faire quelque chose qui est super naturel, et franchement, quand je vais au cinéma et des trucs comme ça, et je veux, tu vois, ressembler à quelque chose, tu vois. Pas le Anoushka qui sort du lit. Je fais ce maquillage là parce qu'il est super vite, super simple à faire, et je concentre plus sur ma peau. Voilà, je vais vous montrer comment faire ce maquillage là. Si vous êtes nouvelle à ma chaîne, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai Instagram, Snapchat et Twitter. Vous pouvez me parler sur ces réseaux sociaux là, parce que quand je suis pas sur YouTube, je peux vous parler sur ces réseaux là. Et ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, et on va passer ensuite au tutoriel. J'ai déjà fait mes sourcils avec le crayon sourcil définition ultra précis de chez Benefit. Celui-là il est dans le teint 6. Donc ouais, j'ai déjà fait mes sourcils, j'adore ce crayon à sourcils, super bien. Et après je vais mettre mon gel invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Mes chats ils font grave du bruit, je suis désolée s'il y a du bruit. Un nom super long pour un produit, mais bref. Je vais juste appliquer ça sur mes sourcils parce que ça va garder les poils en place. Je connais pas vraiment les termes en français en tant que maquillage, donc je vais faire des fautes. C'est pas grave. Pourtant dans ma dernière vidéo français, vous avez dit que mon français n'est pas mal du tout. Donc je vais prendre ce compliment. Merci à tous ceux qui ont dit ça. Il y en a un de vous qui ont dit j'ai un accent canadien. Tu sais, j'adore l'accent québécois. Je pense que moi je trouve qu'il est super bien l'accent québécois, mais je l'ai pas vraiment, mais quand je parle des fois je l'ai. Tu vois. Je vais vous tutoyer parce que je peux pas avec les vous. S'il faut parler du français standard, je peux pas. Je fais grave des fautes, ou soit je réfléchis de ouf. De ouf. Est-ce que vous dites de ouf? Je suis pas partie en France, ça fait quelques années maintenant, donc je connais pas les termes que vous dites en France. Je connais les wesh, de ouf, tout ça, mais je sais pas si c'est avant ou je sais pas. On va après prendre le correcteur contour de Tarte. Franchement mon anti-cerne préféré du monde. J'espère que je dis bien. Et je vais mettre un peu sur ma main, et je vais prendre une petite brosse. Pinceau. Et je vais nettoyer les sourcils en dessous et par le dessus aussi. Tu vois comment ça fait? Ça nettoie. Donc moi je filme dans ma cuisine, et il y a une horloge juste là qui fait grave du bruit, il faut que je l'enlève. Tu sais, au début, quand je l'ai enlevé, et j'ai enlevé la batterie et tout, je le laissais comme ça. Ma mère croyait que c'est tombé avec la batterie qui est sortie. Elle se disait, mais pourquoi à chaque fois ça tombe? Et en fait, elle a découvert que c'était moi qui l'ai enlevé à chaque fois que je filmais. J'ai grave mal au ventre aujourd'hui, je sais même pas c'est quoi. On est en 2017 là. Non, on est en 2018. On est en 2018, on a besoin des horloges digitales, ok? Plus de ces conneries là. C'est quoi ça? Qui achète des horloges comme ça? On dirait que je perds mes cheveux ici là, ça m'énerve. Donc j'ai fait mes sourcils, ils sont finis. Tu vois, mes sourcils là sont tout beaux, tout jolis. Et maintenant je vais passer sur... Je vais faire la peau d'abord. Donc je vais d'abord prendre ce unificateur de teint soit hydratant de chez Smashbox. Franchement ça aide d'avoir l'écriture en français parce que je ne saurais pas dire les produits en français. Et je vais juste appliquer ça partout sur mon visage. Maintenant je vais prendre mon fond de teint liquide tenu performance de Bare Minerals. Excuse-moi, tu peux focus s'il te plaît? Ça focus? Donc ça c'est mon fond de teint de chez Bare Minerals. Et c'est dans le teint Cardamom 23. Moi je préfère ce fond de teint avec une brosse. Luxe Performance, le brosse de chez Bare Minerals, ça va avec le fond de teint. Et je vais... C'est un match bien, hein? Vous en pensez quoi? Donc j'ai une histoire à vous raconter. En fait j'ai remarqué que vous aimez quand je racontais des histoires. Quand je raconte des histoires pendant mes tutoriels, j'en ai plusieurs des histoires, tu vois. J'ai choisi celui-là. Et c'est en rapport de Uber. Moi j'ai eu plein de soucis avec le Uber. Et à mon avis vous avez ça en France aussi. Il y avait un moment vers le mois d'août, on prenait soin d'un chien d'un ami de mon frère. Et c'était un petit toutou tout mignon, elle était toute blanche et tout. Elle s'appelait Malo. Et en fait, parce que sa famille partait en Hong Kong, ils ne pouvaient pas l'emmener là-bas. Donc il y a des trucs de papier, vaccins et aussi des trucs de quarantaine, tout ça. Il faut que le chien reste dans ce pays pendant 123 jours ou 120 jours, quelque chose comme ça. Au début, c'était prévu un jour qu'on l'a gardé. Après, c'est devenu un mois. Après, c'est devenu quelques mois. Et on s'est vraiment attaché à elle et bref, je sais pas, elle a mangé un truc bizarre. En fait, elle était super excitée, elle courait partout, elle jouait à chaque fois. Ouais, donc un moment, en plus il faisait grave chaud dans le mois d'août. Et je voyais qu'elle tombait malade, elle avait le diarrhée et tout, et elle est tombée malade en gros. Je vais prendre mon anti-cerne encore, je vais mettre ça en bas de mes yeux. Et... on l'avait emmenée chez le vétérinaire, elle n'était pas assurée encore, mais le maître, ça s'appelle comme ça, le maître du chien était d'accord de payer tous les frais vétérinaires, bref, le montant qu'il faut. Elle était super malade, il fallait la mettre sur du, tu sais le truc qu'on met le piqûre et c'est du liquide, IV, je sais pas comment dire ça en français. Je suis en train d'estomper mon anti-cerne. Oh c'est trop beau! Elle était obligée de rester chez les vétérinaires pendant 2 jours. C'était toujours un bébé, elle était devenue malade, elle n'avait pas de force et tout. Et donc quand elle a commencé à guérir et on pouvait l'emmener chez nous. Et il n'y a aucun de nous qui conduit encore. Ça c'est une autre histoire. Donc on a appelé l'Uber. Et mon frère, mes 2 frères sont venus avec moi. Il y avait mon grand frère et mon petit frère. Et mon petit frère il a 12 ans. On a tous pris le Uber de retour avec le chien, tu vois. Et quand j'appelle le Uber et j'ai le chien, je leur demande si ça vous dérange si j'ai le chien et ils disent, la plupart du temps ils disent non c'est bon, juste pose le chien sur vous. J'ai porté le chien sur moi, elle était tranquille tu vois, pendant tout le trajet. Après, on est dans l'Uber et le mec il a une voiture, je crois que c'était un Civic Honda ou quelque chose comme ça, bref. Ça se voyait, il prenait soin de sa voiture. Attends, il faut que je mette ma poudre vite fait là, avant que ça... Donc ça fait des creux. Ça c'est une poudre de chez Rimmel. Et par-dessus... Je vais utiliser mes Match Stixs de chez Fenty Beauty, je crois que vous pouvez avoir ça chez Sephora. Vous savez pas comment vous avez de la chance d'avoir Sephora chez vous. Je vais prendre le teint Suede. Je vais appliquer ça ici et là. On va faire un peu du contouring. Aussi la couleur Espresso, celui-là il est vraiment foncé donc je mets un peu de celui-là. Mais ils sont super faciles à estomper donc c'est pour ça que je les aime ceux-là. Voilà, là faut cacher le double menton parce que moi j'en ai pas un double, j'en ai un triple moi. Triple. Oh. Ça c'est une nouvelle brosse de chez Nancy, je vais le mettre le lien dans le bar d'infos. En fait c'est un set que vous pouvez acheter. Celui-là il a l'air super bien donc je vais utiliser ça pour estomper. Ah oui, donc maintenant je suis dans le Uber avec mes deux frères, moi et le chien. Moi je suis assise derrière avec le chien et mon petit frère et mon grand frère il est assis devant avec le mec. Je sais pas, 10 minutes avant d'arriver, mon petit frère il me dit j'ai besoin de vomir. Et tu vois il est en train de paniquer, il veut ça veut sortir. J'ai dit j'ai pas de sac, j'ai pas de sac. Il me prévient même pas donc je voyais ça allait sortir donc j'ai pris quoi? J'ai pris mon sac à main et je l'ai mis en bas de sa bouche et il a vomi partout dans mon sac. Donc voilà maintenant j'ai du vomi dans mon sac et vu qu'il m'a pas prévenu, bah, le temps que j'ai pris mon sac en bas et le mettre en bas de sa bouche, bah, il a vomi un peu sur la chaise et le mec il avait pas cramé encore. Mais bref, le mec il était super gentil au début, il a dit non non c'est pas grave, je disais désolé il a vomi et tout, il disait non c'est pas grave on va s'arrêter, il s'est arrêté et tout, il est sorti, il a caressé son épaule tu vois comme ça. Après quand il l'a vu il y avait du vomi sur le truc de ceinture, il a dit oh, il était dégoûté, il y avait du vomi sur sa voiture, oh, franchement c'était pas bien. Et après vu que j'étais en train de l'aider à tout nettoyer et tout pendant que le mec il conduit, j'ai passé le chien à mon grand frère et mon frère il a posé le chien sur ses jambes. Donc on est arrivé à la maison, devant la maison, et mon frère il sort mais le mec l'a pas vu. Mais quand mon frère s'est mis debout avec le chien, je vois c'est tout mouillé sur son pantalon et tout, je dis putain le chien il a pissé, sur son pantalon et le mec il a pas cramé. Mais mon petit frère il sort, il dit mais pourquoi ton pantalon est mouillé? Devant le mec, mais le mec il a pas trop entendu donc heureusement parce que si, putain, en gros mon frère il a vomi et le chien a pissé. J'en suis sûre il m'a mis une étoile pour mon rating. Donc je vais à l'intérieur, je prends du mousse de muscle. Je sais pas si vous connaissez du mousse de muscle. Et il dit j'ai besoin de l'eau, donc j'emmène de l'eau, du mousse de muscle, des papiers, mouchoirs de cuisine, sopalin. Et j'emmène des petites serviettes de cuisine là. Et le mec il me dit je suis en train de parler, je fais pas mon maquillage, est-ce que je fous là? Bref, je vais prendre mon poudre bronzante mate de chez NYX. Ça ressemble à ça. Je sors avec tout ça. Il est en train de laver avec de l'eau et tout. Et j'ai dit, vous voulez pas du mousse de muscle pour enlever un peu l'odeur et tu vois, le nettoyer un peu. Il dit, non, je peux pas mettre ça sur du vrai cuir. Moi, je suis là en train de l'aider. Déjà, c'est pas de ma faute, ok? Déjà, mon petit frère, il est petit. C'est pas de sa faute s'il a vomi, tu vois. Et j'ai dit désolé, je sais pas combien de fois. Et je comprends c'est sa voiture, mais je sais pas, la façon qu'il m'a dit ça, il dit non, je peux pas mettre ça, c'est du putain de cuir. Et ça m'a un peu saoulée parce que je suis là, je suis en train d'essayer de l'aider, il veut pas d'aide, il est vénère et j'ai dit désolé, il y a quoi d'autre que je fasse? C'est un petit, c'est pas de sa faute s'il a vomi. Ah oui, là je vais prendre mon highlighter de Bobbi Brown. Ça c'est un de mes highlighters préférés, c'est des super jolis. Celui-là est dans le teint Bronze Glow. C'est une poudre touche éclat. Je vais en appliquer ici et là. Vous voyez comment c'est super. Si vous avez une couleur de peau un peu foncée, marron, je vous conseille vraiment ce highlighter. Il est super doré, super joli. Là, je vais prendre ce setting spray, ce Spish Pish. Je l'appelle le Spish Pish, c'est mon nom principal maintenant, ok? Je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Donc je vais prendre mon Spish Pish de Laura Geller. Je vais appliquer ça partout sur mon visage. J'aime bien mettre ça parce que ça fait tout fond, tu vois, les poudres, tout ça, ça fond. Donc maintenant, j'en ai foutu partout. On va faire les yeux. Je regarde du Kinder Country. Vous connaissez du Kinder Country? Avant, on ne pouvait pas avoir ça en Angleterre, mais maintenant on l'a chez Tesco. Vous connaissez Tesco? J'ai grave faim en fait, je vais pas manger. Vous savez, avant j'étais tellement timide de manger devant les gens et maintenant je le fais tranquille sur internet, devant tout le monde. Je vais prendre cette palette de chez NYX. Palette d'ombre à paupières. Ça ressemble à ça. Et franchement j'adore les couleurs comme ça pour tous les jours. C'est trop joli. Donc d'abord je vais prendre cette couleur là. Je vais faire un truc tout simple. Je vais faire un seul œil d'abord. Et je vais remarquer ces paupières là. Ces paupières Ces ombres estompent super facilement. Ça se trouve je fais grave des fautes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant je vais prendre cette couleur là, je vais mettre un peu ici là, je vais mettre un peu dans le creux aussi. Et après j'adore, tu vois, vous voyez cette couleur là, c'est comme une rose sale. Dirty Rose. Et je vais prendre celui-là et je vais mettre partout sur le paupière qui bouge là. Le paupière mobile. Je vais mettre un peu plus de foncé ici là. Donc maintenant je vais prendre mon eyeliner, ça c'est de chez The Balm. Ça ressemble à ça, celui-là il est super bien. J'utilise toujours un recourbe-cils pour recourber mes cils. Et je vais utiliser mon mascara de chez Lancôme. Celui-là s'appelle Monsieur Big. La brosse, il est comme ça. Ouais, je disais, il faut travailler vite avec. Donc dès que ça sèche, tu peux pas trop mettre encore. Et moi, j'aime bien mettre plusieurs couches de mascara. J'ai un cil qui est cassé là. Casse les couilles, casse les couilles. J'ai pas de couilles, mais c'est pas grave, j'ai dit cette phrase quand même. Ah oui, je vais mettre un peu de fard à paupières. Je crois que je vais mettre le... Je vais mélanger ces deux là. Et je vais le mettre en dessous là. Je mets toujours du fard à paupières en dessous. Allez, mettre du mascara en dessous aussi. Je sais pas, moi j'aime bien quand mes cils sont grave gros. Vous voyez la différence? Bon, j'ai fini l'autre œil. L'autre œil. Et maintenant je vais faire mes lèvres. Et le seul truc que j'ai utilisé c'est le rouge à lèvres liquide longue durée de chez The Balm. Ça ressemble à ça. Encore celui-là il vient dans un petit set avec plein d'autres couleurs. Mais celui-là est dans la couleur Reliable. Voilà, donc ça c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez vraiment plus de vidéos en français, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, mais franchement, sois honnête si vous aimez pas, si vous voulez des tutoriels en anglais, même si vous êtes français. Dites-moi dans les commentaires, vous pouvez être honnête avec moi, ça me dérange pas. Ma soeur m'appelle. What do you want? Hello? 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 Je vais vous laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un gros pouce bleu et abonnez-vous si vous êtes nouvelle à ma chaîne. Et oui, je vous aime beaucoup, gros bisous, à tout à l'heure.